Coucou, c'est Emma11 pour une vidéo de Inazuma Eleven Strikers Ni Zero Itch Ni Extreme. Et donc voilà, ça c'est fait. J'avais déjà fait tous les changements de l'équipe, je me suis juste rendu compte que je n'avais pas enregistré le début du truc. Donc voilà. Maintenant j'ai mis les framerates au-dessus, mais vous ne les verrez pas. Parce qu'en plus c'est même pas des framerates. Là. Je sais pas ce que c'est, il est mis vidéo 22, file 4. Donc voilà, c'est donc DX Story, comme j'en ai parlé dans la vidéo de Minecraft, la vidéo dans la jungle avec la maison à l'extérieur toute moche. Oh merde, mais j'avais appuyé sur passe. Oui, bien. Alors, Shu, on va pas la laisser shooter. Ça c'est clair, je pense. On va pas le laisser shooter parce que Shu n'est pas une fille, contrairement à tout ce que tout le monde pense, non. C'est comme Kirino, tout le monde pense que c'est une fille. Non, Shu n'a rien d'une fille. Non mais sérieux, ça c'est pas possible, hein, les gens. Arrêtez. Oui. Akiryu, réveille-toi. Shindo non plus, on va pas le laisser shooter. Juste parce que j'ai fait confiance une fois et... il fallait pas. Non, mais allez, mais là c'est eux qui shoot, c'est pas bon ça. Et perso, je vais pas utiliser un bloc pour bloquer ça, quoi. Alors que je peux facilement le bloquer avec Goto Hando. Ja. Donc, comme vous l'entendez, le son de ma voix est quand même beaucoup mieux. Et le son du jeu est beaucoup plus... Non, le son tout court est beaucoup plus... On l'entend mieux, quoi. Tu me laisses tranquille. Tu me laisses. Voilà, ça c'est bon ça. Oh. C'est que je suis à ça. Je pense que là vous le connaissez, hein. Allez, vous commencez à le connaître là, hein. Sodo Excalibur. Mon shoot le plus puissant avec Sodo Fire. Non, même pas, parce que Sodo Excalibur est quand même beaucoup plus puissant que... Allez, plus puissant que Sodo Refaya. Quoique non, puissance égale. Puissance égale. Désolé. Pourquoi est-ce que je dis puissance égale? Parce que... de 1, Tenma fait arrêter... on arrête le truc de Tenma. Donc le Sodo Refaya de Tenma. Ça c'est le gardien ogre. Bon, je sais, il est super puissant. Il n'arrête pas truc. Il n'arrête pas sur dos Excalibur. Mais Tenma a un B en shoot. Et Akuryu a un A. Donc c'est peut-être à cause de ça. Faya Tornado. MDR. Désolé, plus d'espace sur le disque. J'ai supprimé les vidéos que j'avais fait avant. Bon voilà, j'ai supprimé des fichiers. Le fichier en fait de l'épisode que je viens de monter. Voilà, je me mets, ça vous dérange pas trop. Voilà.
Et donc on reprend comme si de rien n'était. Kimatazio. Ah oui, donc je disais... Ah mais non, je ne l'ai pas encore dit, je pense que j'avais eu un meilleur score pour ma défense, un 16 ou quoi, mais c'était avec... donc la team qu'il y a sur le banc. Oh mais tiens, mais qui con. Non mais je t'ai joué, qui con. Attendez 2 secondes. Il pleut. Non, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était rentré. Hop. À la maison. Donc. Gando. Accueillé. Vas-y, cours, cours, cours. Oh bah fuck hein. Fuck. J'ai envie de dire fuck. Non, je n'ai jamais passé à Goenji. Purée. Non mais rage. Ouais bah t'as intérêt là hein. Hop. T'as intérêt à marquer là hein. Oh purée, maintenant mon écran est sale parce que j'ai craché dessus. Non, mais c'est pas possible! Je suis maudit. Chou, tu es maudite. C'est pour ça que je vais plutôt passer. Master. Qu'on voit jamais, il faut l'avouer. Pas grave, ça lui fait qu'une jambe cassée. Hop. Désolé, c'est Mimasen. Attendez 2 secondes. Oui, désolé, je pensais avoir dit une connerie avec ce Mimasen, mais c'est excusez-moi. Donc c'est bon. Crossfire. You are going to give me this ball. Oh, we are in the early big shit. Je préfère triangle double Z. Voilà, parce que je fais confiance à mon défenseur, je n'utilise pas forcément. Akuryu. Akuryu. Voilà, bien. Goenji man. Oh non, oh non, oh non, oh non. Et je fais la danse des canards. Pardon. Je suis con, oui, je sais, je suis con. Ah,
Et je sais pas, la dernière fois quand j'avais fait un match contre lui, il perdait ses TP mais beaucoup plus rapidement quoi. C'est pas juste. Oh oui, pas hors jeu, pas hors jeu, pas hors jeu, pas hors jeu. Tenma. Allez, yeah. Désolé d'avoir touché le micro, mais je n'ai pas encore l'habitude. Voilà. Mugen no Kabe. Yoshi, kimatta zio. Mada mada ikeru zo. Aïe aïe aïe. Ça fait vraiment du bien de jouer à ce jeu. Pour moi, c'est vraiment un plaisir, mais. Même s'il faut avouer que graphiquement c'est pas magnifique tout le temps. Surtout en une fois native. Et menteur. J'étais à 25 il y a 2 secondes. Ah non, il était déjà 30. J'ai essayé. Oui, j'avais déjà appuyé. Oh, c'est rapide. Trop rapide. Mais côté pinging sango, ça me va. Toi certainement Taiga Storm. Très bien. Muy bien. Et toi, tu as Puraimu Legendo. Très bien. Muy bien. Mucho bueno. 5 changements. Konomama. En fait, à part Shu et Akuryu, c'est une team 100% Inazuma Japan ou bien. Raymond Go quoi. Attendez 2 secondes. Non, parce que j'aime pas. Je me dis faire couper l'enregistrement puis reprendre parce que comme ça lagra peut-être moins. Mais non, très mauvaise idée parce que avec DX J non blablabla. DX XD Story DX Story Ah bah tiens. Oui, d'un côté c'était logique, j'avais envie de tirer avec lui. À la fin de la première mi-temps. Oh le. I don't like this. Queen. Non. Purée, désolé d'avoir crié si fort. Désolé pour vos petites oreilles. Deep Misto. Alors non, oui, Kirino recharge vite, on peut vraiment facilement utiliser des techniques, mais alors là, les TP, il récupère vraiment pas du tout facilement, quoi. Fubuki. Et c'est vraiment pas facile, hein, le système de passe, là, même moi, je galère encore. Et apparemment, mon système, comment je joue, c'est harmonieux. J'ai bien aimé ce commentaire, merci. Par contre, il me disait pourquoi Kirino est juste un pion dans mon équipe.
équipe, et ça j'ai pas compris. Et je lui demande comme ça dans les commentaires, pourquoi est-ce que tu me dis ça maintenant? Pourquoi Kirino ne serait-il qu'un pion? Il m'a toujours pas répondu alors que ça fait une semaine que j'ai posté le truc. Oui, c'est beau ça. Non mais sérieux. Crossfire. Ah. Ah, oh, Mugen no Kabe. Tiens, il y a une baisse de régime en première deuxième mi-temps là. Troisième goal de Fubuki. Allez. Oh, ça lag à mort. Attends. Il fallait pas aller dessus. Et maintenant on va dessus. Allez, vas-y. Désolé. Encore plus de place sur mon disque dur. C'est vrai, ça commence vraiment à être chiant. Ça prend beaucoup plus de place que frappe quand même. Mais bon, c'est pas grave, Osef. J'ai peur qu'à un moment il me fasse de nouveau la même chose. Oh, j'aimerais bien monter l'épisode déjà maintenant parce que vu toutes les parties qui sont une sur mon disque D, c'est une sur mon disque D. Donc on va essayer de trouver une solution. Mauvaise idée. Ah, je pensais qu'il n'avait plus de TP, moi. Désolé. Ouais, parce que ne venez pas vous imaginer que Toramaru passe truc, hein. Voilà, très bien. Côté Pinging Sango. Mais viens! Oh oui! S'il utilise son Mugen no Kame, il l'arrête. Voilà. Ah, ça m'énerve ça. Normalement quand il le fait avec Tenma, c'est... Non mais c'est pas possible! Désolé d'avoir crié encore une fois. Non mais sérieux, ça m'énerve. Tiens, prends ça dans ta face, ça le rat. Et puis toi, je te passe, voilà. Oh purée, j'étais dans un mouchoir de poche. Voilà, je lâche, level 2. Normalement, il n'a que son level 1, peut-être son level 2. J'espère que ça passera. Non. Désolé. Non. Mais je rate, je fail, je ne fais que ça. Pourquoi? Alors, lui, il peut utiliser son Eternal Blizzard bien trop. Voilà. Kikyo Eternal Blizzard. Il souffre, il a plus que 10 TP. Il a plus que 10 TP. Vous savez, quand les gardiens n'ont pas beaucoup de TP et que je sais que ma frénésie est là. Attendez, on va les laisser avancer un peu. Parce que sinon la frénésie va un petit peu durer. Et bien sûr, c'est maintenant qu'il n'avance pas.
C'est maintenant qu'il n'avance pas. Donc on va passer. Shinsuke, non, tu vas pas me faire ça. Oh non, justement quand je voulais faire RC shoot, il me sort Gladius Hatch. J'aime pas sa voix. J'aime bien sa voix pendant les techniques et tout. Mais sinon, quand il marque, il a une voix toute pourrie. Hein. Il a une voix de petit enfant qui parle comme ça. Oui, mais il y a au niveau. Plus de TP. Vous savez ce que ça veut dire. Midag. Oh oui, il m'a pris. Il ne lui reste plus que 61 TP. Ça charge vite chez lui. Allez, on essaie. Hein. Comme ça, vous aurez au moins une fois vu Kotaping Ichigo. Peut-être, je dis bien peut-être. Oups, allez, on va avancer. Oh, je commence à avoir faim. Pourtant j'ai bien mangé à midi, j'ai mangé du riz. Merde, non, j'ai jamais voulu. Non. Vas-y, va le plus loin possible, va le plus loin. Yes! Ah, on dirait que ça va jamais partir le bruit là du tir qui se charge. Bug. Non. Ah non. Voilà. On va quand même pas utiliser une. Oh purée. GG là. Non. Oh oui. Hiroto. Super hein. Super magnifique. Oh super magnifique Jean-Pierre. Non, je vais pas faire ça. Je suis désolé. Oh, c'est chiant ce bruit. En fond. Même s'il est en fond, il est chiant. Voilà. Ikio. Wolf Legend of.
Oui, désolé. Ouais, vite, 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 vite. Ouais. Oh, j'ai lâché, yes. D'habitude, ça me réussit pas trop là, les tirs en fin de match. Comment il crie? Eh ben, ça termine bien ce match. Parce que ça termine sur un 15-0. Et je trouve que c'est encore une assez bonne prestation. Voilà. Donc, bien sûr, plus de buts en deuxième mi-temps. On en a marqué 9. En deuxième mi-temps, allez, j'en ai marqué 19 en deuxième mi-temps. Je sais, mais j'ai une équipe juste imbattable. Je pense que... on me dirait... voilà, petit tournoi en ligne, ce qu'il n'y a pas. Dommage. Je battrai tous ces petits... oulala, bug. 6 et puis 4. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Et même encore une troisième page. Allez, 6 et 9. Voilà, ça c'est bien. Et j'ai raté 4 shoots, dont Ryu et Bleed. Un Gladius Hatch. Et encore, je ne sais plus. Bon, voilà. En tout cas, ça c'est fait, je vais dire. Voilà, j'ai gagné beaucoup de sous. J'ai énormément de sous. Je devrais une fois regarder pour m'acheter des trucs. Ça pourrait être sympa. Donc, le prochain épisode sera donc contre Sekai. Haha, on va battre cette équipe. Qui est bonne grâce à son gardien Rococo Urupa. Rococo quoi. Qui est un des meilleurs gardiens du jeu avec tous les autres. non, en gardien type feu. Bah, maintenant, on en a quand même un qui pourrait remplacer, c'est Sengoku. Sinon, en gardien type feu, c'était le meilleur. Après, on a toujours le king, là, le gardien de cette équipe ici. Donc, version dark, comme j'avais au début. Personnellement, il est moins efficace quoi, que Rococo et Sengoku. Bon, voilà. Eh ben, je pense que c'est la fin de l'épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si en effet ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Pas des pouces noirs, bien sûr. Vous savez comme je déteste. Vous savez que je déteste le noir. Sinon, oui, abonnez-vous. Mettez des pouces verts. Des pouces verts, des pouces bleus. Et surtout, mettez-la dans vos favoris et partagez-la avec vos amis. Voilà. Allez, moi je vous dis au revoir, salut, bonne journée.